Bonjour, je suis Monsieur Foalenglove René, concepteur, développeur informatique, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la procédure de licenciement pour motif personnel, deuxième partie. Convocation du salarié. Convocation par lettre. Avant de prendre sa décision, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement par l'un des moyens suivants. Lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lettre de remise en main propre contre décharge ou tout moyen permettant de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre. Par exemple, par un système de transport rapide de courrier ou par l'intermédiaire d'un huissier. Le contenu de la lettre. La lettre de convocation doit indiquer les éléments suivants. Objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur, c'est-à-dire envisager le licenciement du salarié. La date, l'heure et le lieu de cet entretien. Possibilité pour le salarié de se faire assister durant l'entretien par une personne de l'entreprise. Et s'il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise, possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller du salarié et précise les coordonnées de la mairie ou de l'inspection du travail afin que le salarié puisse s'y procurer la liste des conseillers. J'en ai terminé avec cette deuxième partie sur le motif de licenciement, convocation du salarié. Je vous en remercie.